Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire. Comme vous le savez peut-être, cette sixième saison a pour thème la liberté. C'est le fil rouge qui traverse les huit entretiens que nous allons mener au cours de cette sixième saison. La liberté qui peut se décliner de toutes sortes de façons. Ça peut être une liberté revendiquée pour soi, comme être humain dans une société parfois avec des normes et des contraintes et des règles qui peuvent être étouffantes. Une liberté qui peut être aussi incarnée, une liberté incarnée par des individus libres, euh, des artistes, des militants, des gens qui ont mené une vie euh, hors, hors normes, sans demander la permission à personne. Et ça peut être aussi une liberté qui est espérée pour son peuple, auquel son sort est irrémédiablement lié. Alors, lorsqu'on a opté pour ce thème de la liberté pour cette sixième saison, je peux vous dire que la figure qui est à l'honneur ce soir s'est un peu tout de suite imposée et à moi et à notre équipe. Pierre Falardeau est né à Montréal en 1946. Il est décédé dans la même ville en 2009. Et d'ailleurs, en 2019, vous avez peut-être eu vent, vous avez peut-être eu conscience des différentes commémorations. Hein? Ça a été souligné, ce dixième anniversaire, signe. Qu'il qu est toujours présent, qu'il occupe une place dans notre, dans notre imaginaire, que ses idées ont encore de l'écho. Or, qui dit Pierre Falardeau, évidemment, on pense tout de suite aux militants de l'indépendance nationale, au, au, à l'homme qui ne manchait pas ses mots, c'est le moins qu'on puisse dire, pour dénoncer, ses, comme il le disait lui-même, ses, ses collabos du régime fédéral ou ses tièdes hein, qui, qui, qui militaient moins pour l'indépendance du Québec. C'est quelqu'un qui nous a, qui, donc qui ne marchait pas ses mots, qui, qui a été parfois un pamphlétaire, qui a été entraîné dans diverses polémiques. C'est quelqu'un qui nous a laissé évidemment Elvis Graton, une figure extrêmement connue euh, des films, des, des courts films, des, des films un peu plus longs, des films qui, dans le fond, dénonçaient une sorte d'aliénation d'une certaine classe moyenne assujettie aux valeurs américaines, à une, une vision du monde un peu raptissante. Il nous a laissé aussi Le Temps des Bouffons, un film qui a été longtemps clandestin, qu'on se passait sous le manteau, qu'on peut voir maintenant sur YouTube, euh, qui dénonçait euh, l'élite du Beaver Club. Mais Pierre Falardeau, donc oui, un polémiste, un pamphlétaire, un, un militant, mais aussi un artiste. Un artiste qui nous a laissé une œuvre. Une œuvre qui est faite de documentaires. On pense à Pis Soup, hein, 1978 documentaire sur un, un, un jeune enfant de l'est de Montréal ou le steak documentaire sur le boxeur Gaetan Hart que j'ai revu récemment qu'il avait fait avec sa conjointe Manon riche je crois qu'il est ici que je salue d'ailleurs euh, donc un documentaire que j'ai revu que j'ai trouvé très fort euh, c'est aussi des films on pense à sa, à sa fameuse trilogie avec laquelle il y a une certaine cohérence euh, thématique euh, esthétique le party octobre, sur les événements d'octobre 70, 15 février 1839, bien sûr. Donc pour nous parler de ce personnage qui n'a laissé personne indifférent, mais aussi et surtout pour nous parler de cette œuvre, nous avons invité un des, des plus fins connaisseurs du cinéma québécois, qui est actuellement directeur de la Cinémathèque québécoise, il l'est depuis 2015. Il a été longtemps critique de cinéma au devoir et à 24 images. Il est co-auteur d'un dictionnaire du cinéma québécois. Il me fait donc plaisir d'accueillir pour vous M. Marcel Jean. Alors bonjour et bienvenue. Bonsoir. Et aux figures marquantes, euh, je vous posais la, la question, euh, comme c'est un personnage, comme vous êtes un critique du cinéma québécois, vous, vous frayez dans ce milieu depuis, depuis, depuis toujours. Est-ce que Pierre Falardeau était quelqu'un que vous connaissez bien? Euh? Euh, C'était pas un ami proche, mais c'est quelqu'un que j'ai bien connu, euh, puisque notamment, dans une brève période de ma carrière, j'ai été réalisateur moi-même. Mm -hmm. euh, Pierre et moi, euh, on était à l'ONF alors qu'il travaillait au Steak. Moi, je faisais un film sur, qui s'appelait État critique, sur la critique, ce qui intéressait bien Pierre, d'ailleurs. Euh, alors, on, on, on s'est côtoyés à ce moment-là. Au moment où ces films circulaient, on s'est retrouvés, notamment, au, au Festival de Blois, ensemble. Mm -hmm. J'ai visité les châteaux de la Loire avec Pierre Ferrardot. <laughs> ce qui n'est pas donné à tout le monde. <laughs> oui, en effet. Alors. alors, comme je le disais, euh, moi, ça m'a frappé. En 2019, euh, on, on s'est souvenu de son décès en 2009. J'ai moi-même participé, à, on m'avait invité à parler un peu de son, son œuvre dans un, un événement à Sutton. La salle était remplie à craquer. Il y a eu ici et là des événements, il y a eu des chroniqueurs qui ont souligné l'événement. Euh, C'est quelqu'un qui, qui, qui n'a pas laissé les gens indifférents. Il fait partie des, des rares cinéastes, par exemple, à la Cinémathèque où on sait, des rares cinéastes québécois où on sait que si on projette leur film, il y aura du monde d'emblée. <laughs> oui. il, il y a toujours un, un public, mais oui. un public nombreux. Euh, pour Pierre Fallardo, euh, ce public, il est toujours là, il est toujours là nombreux. Ce qui est euh, à la fois réconfortant, mais toujours un peu surprenant, parce que les films sont quand même disponibles, ils existent en est DVD, vrai. ils sont un peu partout, euh, mais euh, il est resté très vivant. Dans le cœur et dans les mémoires, dans l'esprit euh, des, des gens. Et il, euh, son, son cinéma attise toujours la curiosité. Il y a toujours des gens pour voir ce qu'il a fait. Mmh. Mais euh, c'est sûr qu'il a, il a occupé une place à part dans la, dans la cinématographie. Le fait qu'il soit cinéaste, qu'il soit devenu un, un polémiste, un pamphlétaire, mmh. euh, à partir de, 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 des années 90, bon, euh, euh, et, et tout ça euh, a contribué, donc, à, à son, euh, au fait que sa mémoire euh, persiste. En fait. mm -hmm. Alors, justement, le fait qu'il a été un pamphlétaire, un militant, ça peut euh, faire un ombrage à une œuvre, à un travail artistique. Tu sais, ou, ou encore, on ne voit ces films que comme des, des textes politiques finalement mis à l'écran. Euh, vous considérez Pierre Falardo comme un artiste Absolument. À part entière. Euh, je pense qu'il y a un consensus quand même assez largement répandu sur la qualité du, du, du travail de Pierre Falardo, mais en fait avec un, un malaise qui euh, auprès d'une grande partie de la critique. Et ce malaise-là c'est euh, Elvis Gratton. Oui. C'est-à-dire qu'autant le premier Elvis, le court-métrage, s'attire beaucoup de sympathie de la part d'une de, 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 large partie de la critique. et puis Il y a quelque chose d'ironique, d'ailleurs, avec le premier Elvis Gratton, qui va être primé à Toronto. Donc, euh, ah bon? Oui, oui. Ah, ça, je, ça va échappé. On, on a là un film qui euh, ah, avait non, tout pour ne pas être primé à Toronto ben, et va oh. l'être. <laughs> euh, et par la suite, ce qu'on va beaucoup lire, et euh, en préparant la, la rencontre de ce soir, euh, je me plongeais un peu dans les textes, et quand il a réalisé La vengeance d'Elvis Wong, par exemple, euh, là, on va dire euh, Mais c'est incroyable de penser que le gars qui a fait euh, Octobre, qui a fait le parti, fait ça aussi. Alors, mm -hmm. pour une partie de la critique, c'est irréconciliable. Mm -hmm. Alors que. Euh, pour Pierre, et il s'est longuement euh, expliqué là-dessus, toute sa conversation euh, avec René Boulanger mm -hmm. autour euh, d'Elvis de, de, Gratton, du phénomène Elvis Gratton est et, et explicite et euh, très intéressante là-dessus. Euh, ça, ça allait dans la même direction, c'est-à-dire que pour lui, il était question euh, d'un appel à la libération, mais. Elvis Gratton devenant une sorte, lui, de contre-exemple où il fallait montrer, euh, d'une part, euh, l'aliénation, le, mm. le, le résultat du colonialisme, puis ensuite attaquer euh, d'un film à l'autre diverses couches mm. de, de collaboration ou de la mécanique euh, de mm. l'aliénation. Bon, dans, mm. dans le premier, on est davantage du côté, euh, je dirais, de la chambre de commerce, puis du petit. Euh, du petit notable, de Des petits, petits notable. De ouais. Dans le deuxième, on, 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 on s'attaque à, à plus gros là, mm. euh, ce qu'on pourrait appeler un Québec Inc, disons, mm. euh, puis à, à, à tout ce qui, euh, tout, toute cette collaboration là. Puis dans le troisième, là, on est vraiment dans tout l'univers médiatique et, mm. euh, mm. et c'est le, le, le cynisme médiatique qui, qui, euh, qui est au cœur de ce discours là. Mais en effet, pour peu qu'on lise ces entretiens ou ces textes. Il y a une cohérence dans tout ça. C'est pas, pas d'un côté Elvis pour faire de l'argent ou pour euh, faire des grimaces, puis de l'autre une œuvre. Non, non. Il y a vraiment une cohérence pour peu qu'on s'intéresse. Oui. À... Est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a poussé à faire, Elvis, à, à, à continuer Elvis La réponse est oui. Par non. contre, c'est-à-dire qu'est-ce que, est-ce que d'emblée, s'il n'avait pas eu une pression, il y en aurait, il y aurait fait l'équivalent de trois longs métrages Peut pas. Ça peut-être pas, mmh, mmh. Euh, mais c'est clair que pour euh, ces distributeurs, par exemple, euh, eux avaient très hâte au prochain Elvis. Ouais. On leur disait, bien, oui, octobre, c'est bien, mais un autre Elvis, ce sera encore Ça mieux. Ça Alors... oui, On imagine. Alors revenons sur le, le parcours. Euh, pour mieux connaître l'homme, on, on, on sait, on, on connaît moins son, son parcours. Euh, peut-être, qu'est-ce qu'on qu qu sait de, ses, de son milieu social dans lequel il grandit? Il ne s'est pas beaucoup euh, étendu là-dessus, euh, sur, sur son enfance, sur sa jeunesse. Euh, il, euh, il a parlé de son père, euh, un, un très beau texte d'ailleurs, qui, qui ouvre euh, son, son recueil euh, « La liberté n'est pas une marque de yogourt mm », -hmm. euh, qui a été lu euh, par, euh, par Julien Poulin lors des, des funérailles de son père, Alphonse Falardeau. Mm -hmm et dans lequel on voit l'importance de ce père-là dans, dans ce qui est à la base, je dirais, de, 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 de la conscience politique euh, de, de Pierre Falardeau. Bon. On sait tout d'abord qu'il ne vient pas d'une famille ouvrière, à strictement mmh. parler. Mmh. Son père euh, travaille dans une mercerie, il va devenir gérant de, de caisse populaire. Il naît à Montréal, mais euh, son père va, va être gérant de caisse populaire à Châteauguay, donc il va… Euh, et il va fréquenter de bonnes, de bonnes écoles. Il va aller au collège de Montréal, donc. Euh, et euh, son père va l'initier euh, aux vertus du coopératisme, ce qui n'est euh, pas banal. Mmh. Et euh, un moment marquant pour lui, c'est en, en, en 62 euh, la nationalisation de l'électricité. Lorsque son père va l'amener au, au monument national, il y a là une rencontre des amis du docteur Amel qui viennent célébrer ses 40 ans de lutte. Et là où son père va euh, lui parler de de, de de la longueur des luttes, de l'importance de s'unir. Et euh, la, la question donc, de la nationalisation de l'électricité de, de va, va jouer un rôle considérable dans sa pensée. Et c'est une période importante pour lui, parce que là, il y a 15 ans, la même année, il va lire le livre de Hello David sur euh, les oui. patriotes. Euh, oui. <laughs> et il va voir un peu plus tard une, une affiche du RN. Et là, c'est l'appel à la liberté euh, qu'il qui va ressentir là-dessus. Euh, et <coughs> cette, cette affiche-là va, va jouer un rôle considérable puisque il va par la suite vendre le journal euh, L'indépendance, qui est euh, le, le journal publié par le RN. Et là, bon, il est, pour ainsi dire, lancé là, mmh. dans, dans, dans mmh. ce qui va être le, le fondement de, 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 de l'intellectuel qui va devenir. Par le Pierre Falardeau, dans le fond, il, il, est, il va être assez emblématique de ce courant, on pourrait dire, de la décolonisation euh, durant oui. les années 60. C'est un homme qui est né en 1946. Mais en même temps, dans ses textes qu'on sent, puis je pense que ça lui vient, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette hypothèse, mais ça lui vient peut-être de son père, il n'y il, il a, il a, il a, il a jamais tourné le dos à ce, à ce vieux nationaliste plus traditionnel. Euh, et je pense que son père était un petit peu une figure d'un nationalisme un peu plus traditionnel. Ben, il s'est retrouvé, absolument, mais il s'est retrouvé aussi euh, <coughs> à réaliser dans les années 70 euh, que le, la question nationale, un peu comme ce qu'on a pu voir dans tous les débats autour de... de, de des, des mouvements de gauche aujourd'hui encore. Euh, ce, ce sont des débats qu'on entend autour de Québec Solidaire, par exemple. La question nationale n'est euh, pas nécessairement la première préoccupation mmh. de la gauche, et même mmh. euh, elle n'est pas, tout simplement. Euh, D'ailleurs, l'ouverture euh, dans, dans la, les premières pages de, de son livre d'entretien euh, avec Pierre Falardeau, René Boulanger raconte leur première rencontre où il dit, bon, euh, on était dans un une espèce de séminaire d'un mouvement de gauche des années 70 il y avait un atelier sur la question nationale on était quatre les autres ateliers étaient pleins il y avait il y avait à peu près personne qui s'intéressait euh, parmi les militants à ce moment-là et donc ça va favoriser leur rencontre et euh, c'est un peu euh, une des choses qui va être euh, qui, qui va marquer la pensée politique de Pierre Falardeau. c'est que la question nationale et le préalable mm. à la libération, puis à l'amélioration des conditions euh, du peuple, mm. Elle, ça vient pas après. Il faut pas avoir un projet avant. Mm. Euh, euh, quelle est la société qu'on va bâtir Commençons par euh, euh, être indépendant et après ça on réglera le reste. Pas fait. de liberté, pas, pas d'émancipation, hein, individuelle ou identitaire comme femme, euh, minorité, si on n'est pas d'abord émancipé comme peuple. Exactement. Cette question-là primait sur Exactement. les autres. Exactement. Et ça, ouais. ça va... Ça va suivre. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Pierre Falardo, c'est quelqu'un qui aimait le sport. Oui. Euh, il en a fait lui-même beaucoup. D'ailleurs, je pense... là. je on va, on va en reparler, mais il y a ce bel album Falardo que vient de publier VLB éditeur, euh, grâce au, euh, aux archives familiales de le riche et de son fils aîné Jules Falardo. Et euh, il, y a, il y a des photos, je crois, je me souviens avoir vu rapidement des photos où on le voit marcher, gravir des montagnes. Frère le... kayak. Euh, oui, il y euh, beaucoup de sport, et ça s'est reflété. Mmh. dans euh, Parlez-nous un peu de sa fascination, peut-être pour. Le sport, peut-être plus comme métaphore. Ben, premièrement, c'est intéressant le fait... Une des personnes qui a marqué Pierre Falardeau et, et, et qui l'a, je dirais, amené vers le cinéma, c'est Pierre Perrault. Hum. Et quand, quand il raconte sa rencontre euh, de Pierre Perrault, il ne se souvient plus exactement des circonstances, mais il se souvient de, de la parole de Perrault. Il hum. se souvient de la, de la manière dont il parle. Et, et ça... On pourra revenir là-dessus. Mais ce qu'ils ont en commun, Perrault et lui, c'est aussi un, un grand intérêt pour le sport. Perrault est un sportif. Il a, il a été joueur de hockey. Euh, il aurait pu jouer pour le Canadien. Euh, c'est quelqu'un. Euh, et euh, toutes les, les histoires autour des tournages de Perrault, de, de, de techniciens qui ont travaillé avec lui, racontent à quel point... Euh, c'était lui qu'il fallait qu'il traîne les plus gros sacs à dos. Euh, oui. Il y avait une, une volonté de, de, de montrer sa force est très, très, très forte. Euh, Pierre Fardeau, euh, c'est un gros fumeur et tout, mais c'est un gars qui s'est toujours intéressé au sport, qui était euh, assez athlétique. Euh, il, y des, il y a des photos dans plusieurs ouvrages mmh. où on le voit donc. Euh, Soit en train de faire du hiking, soit en train de faire du kayak et quelque mm -hmm. chose. Et il était passionné de boxe. Oui. Bon. Il a fait un film sur la lutte, son premier. Oui, il on a va fait, en reparler. Mais là, comme de... rituel, plus oui, que comme sport. Oui, on en reparlera. Et là, il a, il a fait, avec Manon, ce film sur, euh, sur la boxe, euh, le steak, inspiré d'un texte de Jack London, A Piece of Steak. Oui. Et ce qui, ce qui l'intéresse là-dedans, c'est vraiment la boxe qui devient. Bon, une métaphore du combat, euh, de la vie en général, mais euh, du travail abrutissant que tu fais parce que tu n'as pas le choix. Je veux dire, on ne choisit pas d'être boxeur. soit de la dèche. On, on, on ne ouais. choisit pas d'être boxeur. Non. En général, les boxeurs viennent d'un milieu où c'était la seule option qu'ils avaient. C'est ça. Et euh, moi, personnellement, et on avait ça en commun, dans les conversations qu'on a eues, Pierre et moi, on a beaucoup parlé de boxe. Il m'a fait lire euh, Joyce Carol Oates, euh, mm. l'écrivaine euh, irlando-américaine qui avait écrit un, un, un livre euh, qui s'appelait Unboxing. Euh, et euh, j'ai eu l'occasion de connaître un boxeur qui était étudiant à l'Université de Montréal et tout, euh, qui était extrêmement doué, mais qui a arrêté très vite. Je veux dire, parce que quand, quand tu es un diplômé universitaire, puis tu peux faire autre chose. Euh, <laughs> De tu fais autre chose. Puis on le voit encore tout récemment avec cette pauvre mexicaine qui est morte sur ouais. le ring. Non mais on voit d'où vient souvent ces, ces, ces gens. Et ça. donc il y avait, il avait cet intérêt-là. Ouais. Il n'est pas le seul cinéaste ni ouais. le premier à avoir vu ça euh, dans la boxe. Il y avait beaucoup d'admiration pour un film de, de John Huston qui s'appelait Fat City, qui parlait d'un vieux boxeur qui se promenait mmh. de, de ville en ville. Euh, aux États-Unis pour faire des combats minables pour quelques dizaines de dollars et euh, mm. servir de punching bag pratique, mm. pratiquement. Mm. Là. Bon. Alors donc, euh, uh, Hart le dit clairement dans ouais. le film. Bon, ouais. euh, en gros, il dit, on ne me laisse pas travailler, je travaillerai sur la construction, mais je n'ai pas mes cartes, on ne me laisse ouais. pas travailler, donc euh, je n'ai pas le choix de continuer à boxer. C'est tout ouais. ce que je peux faire. Ouais. Ouais. Et, et ça, c'est... Euh, et en même temps, il y a une admiration. Absolument. C'est une sorte d'admiration, ils veulent s'en sortir. Absolument, parce que ce n'est pas quelqu'un qui lâche, c'est quelqu'un qui veut, ça, qui a beaucoup d'humanité. Et euh, c'est un film magnifique ah, sur, oui. euh, qui, qui nous apprend beaucoup sur l'homme oui. et qui est formellement, vous me demandiez tout à l'heure est-ce que c'est un, un cinéaste, qui est formellement magnifique. La première séquence de ce film-là, où Gaëtan Hart est filmé nu comme un verre, euh, comme une statue et que la caméra tourne, c'est Exceptionnel mmh, visuellement, mmh, tout ça. Mmh, mmh. Alors, donc, il y avait une volonté chez lui de rendre hommage aussi ouais, à ce personnage-là, ouais, de ne ouais, de ouais, pas s'en ouais. servir, mais de travailler avec lui. Alors, restons sur le thème de, du sport. C'est que euh, ce qui peut étonner, c'est que Pierre Falardeau, on pourrait dire, un hein, cinéaste, il aurait pu étudier le cinéma, il aurait pu étudier l'histoire. Hein. Il a été passionné d'histoire, il parle d'histoire, il parle de Maurice Séguin, professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Or, il a étudié l'anthropologie. Mmh. Hein? D'abord, pourquoi ce choix, d'après vous Est-ce que, est -ce que ce, cette discipline paraît un peu dans ces films Puis Après ça, on parlera du, de son mémoire qu'il a mm -hmm. fait par la, par la suite. Mais... Ben, il, il, il va, euh, dans un premier temps, découvrir euh, euh, dans les années 60 euh, le cinéma, les, les, les réalisateurs du cinéma direct de l'ONF. Bon, euh, on parle de, de, de Pour la suite du monde, de, de Perrot. On parle aussi... Euh, d'Assain henri le 5 septembre, euh, qui est un projet d'Hubert Aquin, euh, où Jacques Godbout avait joué un rôle euh, fondamental, mais où il y avait... qui réunissait un peu toute l'équipe de l'ONF, euh, mm -hmm. de l'équipe française de l'ONF à ce moment-là. Euh, ce sont des films qui se rapprochent beaucoup de, de l'anthropologie. C'est vrai. C'est comme ça, des, des études ethnographiques. Il ouais. y a quelque chose de cela, c'est clair. Ensuite, il va, il va le dire un peu comme une boutade, mais euh, il y a, il y a une, un gros fond de vérité là-dedans. Il dit « Je ne voulais pas être obligé de mettre un, un veston et une cravate pour aller travailler. » Et euh, dans son esprit, ce qu'il connaît de l'anthropologie à ce moment-là, c'est euh, assez physique, c'est des gars qui font du canot en Amazonie, qui se font manger par des mouches grosses de même, et qui euh, vont euh, rencontrer euh, des... Euh, les, les peuples autochtones, et mmh, mmh. voilà. Alors, il a une idée un peu euh, euh, romancée, là, une, un peu de légendaire de ce qu'est l'anthropologie. Mmh. Il va découvrir à l'université que c'est une véritable discipline intellectuelle. Et là, mmh. il, il, il va être confronté donc aux, aux écrits des, des anthropologues à ce moment-là. Et, euh, corrigez-moi, mais il va, il, va, il va consacrer, je pense, son mémoire à la lutte. Ouais. Hein? Et euh, d'ailleurs, je, je salue les éditions du Mur qui, après le décès de Pierre Falardeau, ont publié son mémoire de maîtrise sur la lutte. Continuons le combat. Je ne sais pas si l'éditeur est parmi nous. En tout cas, je le salue. Il il je je l'avais lu avant qu'il m'écrive pour, pour me le signaler. Euh, Parlez-nous un peu de ce mémoire. Qu'est-ce qui le ben, fascinait dans la lutte, justement? Il va, il va suivre celui qui va être son directeur de recherche. Euh, euh, dans les, dans les Caraïbes pour euh, euh, aller rencontrer des, des Tamouls qui sont, si je ne m'abuse, en Martinique à ce moment-là. Et il va euh, revenir et euh, de cette rencontre-là, euh, il va avoir observé les rituels et tout. Et il va faire le parallèle avec un rituel euh, bien local qui est celui de la lutte. Bon. On sait la lutte, ça a intéressé… Oui, les, ça a passionné les Canadiens des, français pendant longtemps. Oui, ouais. et ça a aussi passionné certains intellectuels. Roland ouais. Barthes a écrit un texte fameux dans son euh, ouvrage Mythologie, ouais. Ouais. sur le catch, parce ouais. qu'on dit pas la lutte euh, ouais. en France. Et donc, euh, et c'est le texte de Barthes, d'ailleurs, qui va euh, inspirer les, les réalisateurs de l'ONF qui vont, à leur tour, réaliser la lutte, qui est un des films collectifs, mm -hmm. donc… Euh, de cette époque-là. Et euh, Falardeau, lui, va vouloir euh, euh, tourner un, un gala de lutte, va euh, se présenter au, au vidéographe après bon, quelques péripéties pour avoir l'équipement. On lui dit As-tu vu le film de l'ONF Il dit Non, je l'ai vu. On lui dit Faut que tu vois le film de l'ONF. Il dit Ouais, mais ce que je veux faire, c'est pas la même affaire que les autres. Ce n'est pas grave, il faut que tu vois le film de l'ONF. Bon, il va finir par le voir. Et se rendre compte que ce qu'il veut faire, ce n'est pas ça. Et ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire, c'est la comparaison de deux rituels. Donc ce rituel euh, qu'ils ont filmé avec son directeur de thèse et euh, ce, ce rituel euh, moderne, contemporain, dans la, dans la société québécoise. Et ça va être euh, l'un des premiers... Euh, document audiovisuel qui va servir de base à, à, un, à un mémoire de maîtrise au Québec. Bon, mm -hmm. euh, en 1973, euh, Michel Brault écrit au département d'anthropologie, écrit au directeur, pour euh, le convaincre, à la demande de Pierre Falardeau, il va dire, bon, je vous, je vous écris à, à l'invitation de Pierre Falardeau pour vous inciter à accepter que... Euh, le film qu'il a fait, serve, que la bande vidéographique mm -hmm. qu'il a fait serve de, de, de base à, à son mémoire de maîtrise. Et euh, finalement, ce sera accepté, en 75, ce sera déposé, euh, la bande vidéographique plus le texte qui a été publié. Alors, je, je lis juste les débuts, de. Le fo les, les fonctions de la lutte. La lutte, c'est le miroir d'un petit peuple écrasé, exploité, vaincu. C'est son mémoire de maîtrise. Là. On sent le ton, le pamphlétaire en venir, en devenir un petit peuple vaincu qui se cherche des victoires, un petit peuple écrasé qui se cherche des héros, un petit peuple exploité qui cherche des raisons d'espérer. Ce n'est pas un ton très scolaire. Non, ça, en effet, c'est pas académique. Moi, <laughs> qui ai, moi qui ai été éditeur, là, je dis des, des, des étudiants, des diplômés qui sont venus me voir avec des des mémoires de maîtrise, des thèses de doctorat en me disant « je suis sûr que j'ai un livre », tu regardes ça et tu te dis « as peut-être un livre, mais c'est pas le livre, ça ». Il faut que ce soit réécrit au complet parce qu'un ouais. livre, on essaie qu'il ne soit pas trop ennuyant en général. Ouais. Et euh, on n'est pas du tout dans euh, ce ton-là. Le ici. ton académique. Ouais, on n'est pas dans le ton académique euh, non, non. Et, et, et déjà, ça préfigure euh, ce qui va suivre. Mais justement, je disais tout à l'heure, euh, Pierre Perrault la langue de Perrault a fasciné, a, 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 a tout de suite euh, piqué euh, Pierre Falardeau. Et la langue va être, je dirais, un point majeur chez, chez Falardeau tout au long de sa carrière. Ouais. Ce sera ce que certains vont lui reprocher, mm. mais ce sera aussi, à mon sens, la raison de son succès. Et quand vous me demandiez tout à l'heure, Eric, euh, euh, comment euh, sa mémoire a-t-elle pu... À ce point-là, dans, dans l'esprit populaire, justement parce que il n'y avait pas deux niveaux de langage chez, chez, chez Pierre Falardeau. Il y en avait un seul. Euh, il, euh, je me suis retrouvé dans des bars avec lui et, et, et ce qu'il disait, le ton qu'il employait, c'était le même que lorsqu'il était interviewé par Julie Schneider ou Richard Martineau, mmh. le même qu'il utilisait sur scène. Euh, vous évoquiez tout à l'heure en coulisses que vous l'aviez invité à, à mmh. prononcer un discours en 1995. C'était toujours le même vocabulaire, le même ton. Et, et, et quand on le lisait, on entendait cette On entendait voix. ça. Et ouais. dans l'esprit, donc, du, du vrai monde, il euh, y a une sincérité qui se dégage avec ça. Parce que les gens disaient, lui, ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Il mmh. n'y a pas deux langages, ouais. justement. Ouais. Et, et, et ça… Ça a beaucoup joué, je dirais, dans le rapport de confiance qui s'est établi entre lui et euh, la population. On a déjà euh, parlé un peu tout à l'heure de Elvis Gratton. Euh, on va parler de, de documentaires un peu moins connus. Euh, un qui est très connu, mais un qui est moins connu. Pissoupe est moins connu. Enfin, on. on C est, c est, je pense que c'est plus les cinéphiles qui connaissent ce, ce, ce travail-là. Mais peut-être nous dire un mot sur justement ce, 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 cette œuvre. Qui... Ouais. Ben, moins connue pour, pour des raisons, je dirais, techniques. Ouais. Pure et simple. C'est-à-dire que quand Pierre Falardeau et Julien Poulain, là, à ouais. ce moment-là, il s'agit d'une co-réalisation, ouais, ouais. quand ils euh, parviennent à avoir des moyens de production, à ce moment-là, mmh. parlons... Euh, Parlons marxisme. concrètement. <laughs> Alors, oui. Quand ils accèdent aux moyens de production, les moyens de production auxquels ils accèdent, c'est c'est les moyens du euh, du pauvre, c'est les moyens du jeune cinéaste. Euh, à l'époque, on tourne du cinéma en 16 mm ou en 35 mm, donc euh, de la pellicule. Euh, ça demande la pellicule coûte cher, ça demande un équipement qui coûte cher et qui n'est pas accessible à tous. Mm. Euh, L'ONF, dans, dans le cadre d'un projet très large euh, euh, qui s'appelle Société nouvelle Challenge for Change, veut euh, travailler donc à changer la société, à donner la parole aux gens. Bon, euh, et euh, Robert Forger, qui est un véritable visionnaire, lui, va euh, profiter de ce projet-là pour convaincre l'ONF d'acheter des porte-à-pac de Sony, qui est un nouveau système de, qui permet de, de, de filmer en vidéo mm. euh, avec un, du matériel qui est plus euh, léger. Plus plus léger. Oui. Et ça, ça va donner naissance aux vidéographes. Mm. Et le vidéographe, à l'époque, c'est une sorte de guichet, donc, où tu peux te pointer, tu es jeune, tu pas d'argent, tu as des idées, on va te donner mm. euh, accès à des moyens de production. Quand on regarde si on ramène ça aujourd'hui, euh, plusieurs personnes ici ont dû entendre parler du Wapikoni mobile ouais. euh, que Malon Barbeau a mis sur pied et euh, qui est allé dans les communautés autochtones un bon, peu Le vidéographe, c'est un peu à l'époque euh, euh, l'équivalent de ça finalement. Mm -hmm. mm -hmm. Mais le, le problème de la vidéo, c'est que euh, comment tu diffuses ça? C'est ça. Et tu as des moyens de production pour tourner. Mais la, la diffusion devient très compliquée. Mm. Et euh, euh, Pierre Falardeau va le comprendre, euh, Falardeau et Poulain vont le comprendre parce qu'eux vont par la suite œuvrer pour qu'il y ait un gonflage en 16 mm de la bande qu'ils ont fait mm. euh, en vidéo. Mais là, il n'y a pas, de, y a pas un, un, un gros système de production derrière. C'est-à-dire que pour l'ONF, euh, oui, le vidéographe, c'est un projet pour les jeunes. Et la, la diffusion, elle n'est pas euh, large comme celle des films qui sont produits par l'ONF. Mmh. Et donc, c'est une diffusion que, que Falardeau et Poulain vont faire à force de bras, là, dans ce mmh. cas-là, vraiment, en allant montrer leurs films. Euh, oui, et là, vous, 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 vous m'ouvrez le chemin pour le oui. Temps des Bouffons. Ouais. Parce que le Temps des Bouffons, est-ce qu'il va procéder de la même façon, par vidéo? Puis, parce que là, lui, il a raconté qu'il a diffusé des cassettes. Euh, alors, euh, racontez plus un, un peu on est, cette histoire. De... On est un peu dans, 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 la suite. dans une mécanique un, un, ouais. un peu inverse. C'est que là, bon, le temps des bouffons, c'est un film qui se ramène à la lutte, hein, d'ailleurs, à, ouais. à, à continuer le combat, pardon, dans, dans sa structure. Parce que là encore, il va utiliser des images purement anthropologiques, euh, c'est-à-dire des extraits d'un film de Jean-Rouge qui s'appelle le, « le, Les maîtres fous ». Sans demander la permission à Jean-Rouge. Sans Roche, demander la permission, <laughs> oui. Et euh, Roche, tout est dans tout. On dit souvent Roche avait utilisé, avait collaboré avec Michel Bro. Bro avait été le caméraman ah, oui. de Roche. Donc on voit que c'est un peu toute la même euh, la même mouvance. Mm. Et donc il va utiliser euh, des images de, des maîtres fous qu'il va mettre en parallèle en, en, avec euh, celles euh, tournées au Beaver Club. Hum. Là, euh, Manon le Riche, bon, euh, vous disiez tout à l'heure que, que Manon était ici ce soir, va, ouais. va jouer un rôle euh, important euh, dans, la, <laughs> dans, oui. dans la, la genèse du film, puisque c'est un peu elle qui va obtenir les autorisations parce qu'elle n'a pas l'allure menaçante euh, <laughs> d'une révolutionnaire. De hein. Pierre Falardeau. Donc, euh, <laughs> oui, euh, son visage d'ange et sa voix douce euh, aideront à, à obtenir les, les autorisations. Oui. Et de sorte que tout ça va être tourné et que ce film-là, c'est un film de guérilla. Ouais. Alors, donc, euh, il sera monté et ensuite, il sera diffusé dans une véritable euh, pensée de guérilla, c'est-à-dire, mmh. on fait des cassettes VHS. C'est ça, on Donc, on, on ne vise pas du tout la, la beauté, la qualité technique mmh. et tout. Mmh. On veut que le monde le voit. Puis, c'est copier-le, voler-le, passer-le. Et ah, moi, je me souviens encore, vu. adolescent, d'avoir vu ce film dans un sous-sol. On se pensait très. Euh, C'était comme un acte de résistance là, on organise un sous-sol quelque part en banlieue et euh, on disait, Hey, as tu as vu ça ?» Il y avait. C'était bien. C'était bien pensé par contre. Oui, absolument. C'était une belle opération pour oui. justement que le film soit. Et ce euh, film-là va différent. avoir une vraie existence, c'est-à-dire oui, qu'il oui. va. Euh, il va être primé à Clermont-Ferrand, qui est le oui, plus oui. grand festival de court-métrage en Europe. Bon. Oui. Euh, oui, oui. C'est un film qui a eu une, une résonance assez large. Alors là, euh, le temps file déjà. Et il faut parler de, de, de sa rencontre avec quelqu'un qui va être déterminant pour son œuvre, Francis Simard. Parlez-nous de Francis Simard. Rappelez-nous qui il était. puis Parlez-nous de cette relation très importante pour Fier, Pierre Falardeau. Donc, Francis Simard est un euh, euh, Il est l'un de ceux qui ont enlevé euh, Pierre Laporte. Et donc, euh, il est emprisonné et un jour, il, il va entrer en contact avec euh, Pierre Falardeau parce qu'il euh, il est en charge d'activités de, de, euh, de, socio-culturelles dans la prison. Ils ont de l'équipement. Ils voudraient que, que, que Pierre leur donne des ateliers. Et à partir de ça, bon, euh, Pierre Falardeau va accepter. Il y a une amitié qui va se nouer. Francis Simard va le mettre sur la liste de ceux qui peuvent le visiter. Donc, mm. Et Pierre Falardeau va le visiter avec beaucoup de régularité mm. pendant son internement. Tout ça va être à l'origine de, de, de plusieurs films, dont Le Party, en fait, oui. puisque Le Party, c'est la reconstitution dramatisée, ah, oui. évidemment. Oui. Euh, D'un party organisé par Francis Simard euh, à la prison. Mm. Donc, c'est tout ça qui va servir de base euh, à ce film. Et euh, ensuite, euh, Francis Simard va publier un livre intitulé Pour en finir avec Octobre. Et ce livre-là va être le canevas euh, euh, d'Octobre. Est-ce que, est -ce que vous, avez, vous savez si. Falardo a joué un rôle dans l'écriture de ce livre. Parce que je veux dire, Francis Simard, ce n'est pas un auteur, ce n'est pas quelqu'un qui, qui, qui devait avoir une facilité. Je dis ça, c'est peut-être un préjugé, mais pour écrire. Ça, que... À ça, je ne pourrais pas répondre. D'accord. j'ai je euh, jamais lu là-dessus et j'ai mm. posé la question ni à l'un ni à l'autre. La, mm -hmm. Mais en euh, tout cas, certainement, ouais. qu Octobre, c'est quasiment la version scénarisée de, de ce livre. Absolument. Et, et, euh, et ce qui est clair, c'est que Francis Simard est quelqu'un qui avait. Euh, je pense que la prison, ça donne le temps de réfléchir aussi. <laughs> oui. Hein. Alors, euh, c'est, euh, on, on a fait euh, déjà un festival de cinéma ensemble, lui et moi. Mm -hmm. Donc, eu, eu l'occasion de prendre quelques repas et, et, et quelques verres ensemble. Et c'est quelqu'un qui avait euh, beaucoup de conversations et euh, une véritable réflexion politique. Mm. Il y avait lu, il marchait pas juste d'instinct. Euh, alors qu'il a écrit, c est, c est, pour moi, c'était pas si étonnant. D'accord, d'accord. Alors donc, il a, il a octobre. On pourrait dire c'est un produit d'une amitié là, clairement. Oui, oui. oui. Et je pense euh, dans la, la, tout l'environnement du référendum de, de, de 95 et tout. Euh, bon, quand ce film-là a été fait, euh, il y avait, je pense clairement chez. chez chez Pierre Falardeau, une volonté là, de, euh, de calmer un peu toute une série de thèses farfelues qui qui, oui. qui se racontaient autour oui, de, les de la mort de, de la porte. Oui, c'est euh... ça, ça. Non, il, y, il devait sûrement être allergique à ce genre de, de considération. En tout cas, dans, dans la, le, le, le beau documentaire "La liberté en colère", je crois de Jean Daniel Lafont. Jean Daniel Laffont, Jean Daniel oui. Laffont, On voit hein, Francis Simard et Pierre Valière s'affronter sur ce, sur cet enjeu là. Puis ensuite, il va, il va travailler sur, euh, un, un, on pourrait dire, le, le troisième film de la trilogie, le 15 février. Mais là, on a l'impression, moi, mon souvenir des années 90, c'est qu'il a eu beaucoup de mal. En fait, est-ce qu'il a eu à chaque fois énormément de mal à faire financer ses films? Bien, le party, pas tant que ça. C'était moins, moins un enjeu. Mais oui, octobre et oui, euh, oui 15 février. Et je dirais que c'est allé en s'amplifiant jusqu'à. Ce que le, le projet qui devait suivre euh, 15 février n'a pas pu voir le jour. Bon, euh, ouais. alors la, la, la difficulté de, de financer les films est allée euh, grandissante. Et c'est dû à sa, à, sa, à, sa, à sa personnalité publique, vous pensez Peut-être un peu, mais c'est aussi dû sans doute au contenu euh, ouais. euh, des films. C'est-à-dire que il euh, mmh. y a euh, des gens qui se sont euh, euh, offusqués du fait que le point de vue de l'un de ceux qui euh, étaient responsables de la mort de Pierre Laporte servent de base à un film qui avait euh, du financement public et du gouvernement du Québec et du, euh, alors, mm. et, et du côté du gouvernement du Québec et du côté du gouvernement fédéral ça posait problème dans mm. les deux cas mm. alors il euh, il est clair que là on, on peut instrumentaliser très bien euh, ces causes-là à des fins politiques, mmh. s'insurger contre euh, le financement. Ce n'est pas la, la, la seule fois dans l'histoire que des députés ou des ministres ou des sénateurs se sont insurgés contre le financement euh, d'un film. Jean-Claude Lauzon, euh, euh, avec Pee-Wee, euh, qui, qui est un court-métrage même, s'était retrouvé à, à être pris à partie parce qu'on on accusait euh, l'Institut québécois du cinéma de financer la. La, 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 la pédophilie, la, la, la violence faite aux enfants. Donc, bref, euh, que des personnalités politiques mm. se soient servies euh, de sujet d'un film, ce pas quelque chose d'absolument inédit. Mm. Hein. Donc, euh, ça a sûrement nuit. Euh, les décideurs des organismes subventionnaires pour le 15 février devaient être un peu hésitants. Ouais, mais en même temps, bon, euh, Pierre Falardeau a eu du financement fédéral de Téléfilm Canada. Alors, mm. euh, vous savez, la. la au, au Canada, il y a des films clairement euh, indépendantistes, euh, que ce soit de Gilles Groux ou nationalistes, de Gilles Grou, oui, de, de, Gilles Grou de, de, euh, de Pierre Perrault et Brault. Euh, un film comme Un pays sans bon sens, mmh. par exemple. Euh, le, le, euh, le confort et l'indifférence de Denis Arcand, mmh. qui est quand même un film très euh, critique. Euh, qui a été tourné au moment du référendum de 80, qui ont tous été financés euh, par le fédéral. Mm. Alors, ça devient aussi, dans, dans toute la rhétorique euh, qui entoure, le fait que la, la preuve qu'on ne vit pas sous une dictature, c'est que ces choses-là sont possibles et que même le gouvernement les finance. Mm. Alors, euh, ça, tout cela fait partie du, du métadiscours. Là, ouais. Il ne faut pas s'imaginer que. Que ces choses-là n'entrent pas en compte. Mmh. Et quelle a été la, la réception critique de ces deux films historiques-là, tu sais, qui, qui sont des gros blocs dans son œuvre, donc octobre et euh, 15 février? Très bien reçu. Euh, octobre a eu le prix euh, euh, Ella Willemette Molson, qui s'appelait, c'est la dernière année où il s'est appelé Molson d'ailleurs à cause de Pierre euh, Falardeau. à cause de Pierre Falardeau. Euh, Racontez-nous l'anecdote rapidement. Oui, euh, c'est que ça, ça a été une des polémiques célèbres, parce que euh, euh, ce prix-là est remis par l'Association québécoise des critiques de cinéma. On est avant euh, les, euh, les iris du cinéma qui sont appelés les juteras pendant, pendant un bout de temps. Là, ça, tout ça n'existe pas encore. Alors, le prix le plus important que peut remporter un long-métrage québécois à l'époque, c'est le prix à l'Ouimet Moulson. L'Association des critiques de cinéma remet ça au meilleur long-métrage québécois de l'année. Octobre le remporte. Pierre Falardeau va aller chercher le prix. Le prix est accompagné d'un chèque de 5 000 gracieusement remis par Molson. Et là, bon, Pierre Falardeau va dire d'une part ce qu'il pense de, de Molson et va expliquer un peu le rôle historique que Molson a pu jouer euh, dans euh, euh, la société postcoloniale bon, qu'il qu 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 dénonce. Et le résultat de ça, c'est qu'à partir de l'année suivante, Molson n'est plus commanditaire du prix. Alors, euh, la critique remet toujours un prix, mais le, parce qu'il a, qu a, il a quand même pris le chèque. Il a pris le chèque <laughs> en oui. disant que c'était à cause de sa femme, hein et, En il, disant, en, en ben blaguant euh, un peu. Euh, non, non. <laughs> Ma femme me demande de prendre le chèque. Mais non, je vais vous dire ce que je pense de Molson. Et, et voilà. Bon. Bref. Ouais. Il y a des gens dans le milieu du cinéma qui vont lui en avoir voulu bon, par la suite de, 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 mm. de cette de cet envolée-là. Mm. Ce, ce sera une des premières controverses marquantes, est vrai. là, vraiment. Mm. Mais c'est euh, est loin d'être la dernière. Euh, <laughs> en effet, et euh, il a ensuite, on parle d'une trilogie, mais il y avait un autre film. Ouais. Euh, dans, dans les cartons, mm. qui était le jardinier des Molsons Le jardinier des molus. Moi, je n'ai pas lu le, le scénario. Pourriez-vous nous le présenter? Est -ce que, pourquoi ça n'a pas marché? Ça se passe vers la fin de la Première Guerre mondiale. Et là, euh, c'est un film euh, où un, un, un bataillon là, du, du 22e régiment qui euh, euh, doit être envoyé... Euh, dans un avant-poste pour euh, euh, défendre donc, une position pendant quatre jours et quatre nuits. Donc c'est les tranchées et tous ces euh, euh, soldats-là arrivent et euh, ce qu'on apprend, ce qu'ils apprennent, c'est que les Allemands creusent une galerie en dessous, une mine. Pour euh, dynamiter et faire exploser cette position-là. Donc, pendant les quatre jours et quatre nuits où ces gars-là doivent tenir la position, eh bien, il y a la possibilité que ça explose euh, euh, tout le temps. Alors, c'est des hommes, et c'est là qu'on voit toute la cohérence. Le party, octobre, 15 février, le jardinier des Molson, des hommes. Dans un contraint, dans un endroit clos, que ce soit une prison, euh, euh, une maison en banlieue où on tient quelqu'un en otage, euh, une prison, encore une fois, ou une tranchée, euh, dans un, une, une durée déterminée. Là. Ça va dans un, le parquet quelques heures, une semaine en octobre. Un peu plus, de, autour de 24 heures, dans le 15 février, quatre jours. Donc, euh, et euh, ces hommes-là, donc, sont dans une situation euh, extrême et qui les amène, donc, à, à, je dirais, à libérer euh, leurs paroles, leur, euh, leurs émotions, leurs violences, tout ce qu'il y, qu y a en mmh, eux à ce mmh. moment-là. Et donc, ça voudrait dire que ce scénario pourrait être repris par un autre cinéaste, peut-être. Est-ce que ça se ferait? Que ça... Alors, ça... Il n'y a, a rien qui est impossible. En même temps, euh, le scénario a été publié. Le, le, euh, qui se mesurait à ça? Bon, on a vu les euh, scénarios de, 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 de Truffaut être tourné plusieurs années après sa mort. C'est des choses qui, euh, mmh. qui, qui se peuvent là, et, qui, mmh. et qui se pourraient ici aussi. Ouais. Euh, mais ce serait particulier, c'est sûr oui. que ce serait particulier. Oui. Euh, alors donc, on a ses on a ce, ce, œuvres. Ça, je vais vous c'est son leg le plus important. Mm -hmm. Ça fait partie de notre filmographie nationale. Euh, mais au moment, donc, où il, il présente 15 février 1839, on pourrait dire que c'est à peu près à cette époque-là qu'il devient euh, un intellectuel de choc, euh, un militant, euh, et qu'il est, euh, qu est aspiré par un certain nombre de, de, de polémiques. Euh, je me souviens d'une entrevue que j'avais vue euh, avec Paul Arcand. Mm -hmm. Paul Arcand lui disait Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu un, un personnage Vous n'êtes pas devenu un personnage Il se référait un peu peut-être à quelqu'un comme Michel Chartrand à une autre époque. Mm -hmm. Est-ce que vous n'êtes pas un peu prisonnier Il n'avait euh, euh, pas aimé cette question, mais vous, c'est quoi votre avis là-dessus ben, Est-ce que, est que vous pensez que c'était un peu prémédité euh, ou, ou pas je, je, je pense. Cette histoire de personnage-là, moi, ouais. j'y crois pas, mm -hmm. dans la mesure où c'est sûr que quand il est en entrevue ou qu'il qu qu est en public, euh, Pierre Falardeau, c'était pas, pas comme les chroniqueurs des émissions de Radio-Canada le matin qui euh, ont leur dit « Aujourd'hui, on va parler de tel sujet, puis demain, ce sera autre chose ». Pierre Falando, il n'y avait pas 50 sujets qu'on ouais. avait le goût d'aborder. Euh, je ne crée pas ça, moi. Du et, monde qui change de, de ouais, lit, et Et de, tout euh, de sujets, il disait ça. Ouais. En préparation à, à cette rencontre-là, j'ai relu bon, tout ouais. ce qui a été publié, tous ces textes. Ouais. Et c'est sûr qu'on finit par se dire ouais, il y a quand même quelque chose de redondant parce qu'il tapait sur le même clou. Ouais. Et, et il le faisait toujours. Et, et là, la question du langage est importante. En utilisant le même le même niveau de langage. Alors, ouais. oui, on peut dire que c'est un personnage parce qu'il était coloré, mais c'était lui-même. Mm -hmm. Et certaines personnes vont dire, oui, mais en privé, il était pas comme ça. En privé, mais pas en... En privé, pas en, en, en représentation. Puis quand il n'y avait pas à te convaincre mm -hmm. qu'il avait raison, bien oui, tu, tu pouvais... Si, si tu parlais de boxe avec lui tranquillement, mm -hmm. euh, ça allait, mais... Il, 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 tu, tu pouvais toucher à autre chose, mm -hmm. mais encore une fois, quand il parlait de ça, il, il parlait dans, un, dans une perspective de, de combat. De combat. Oui. oui. Alors, je me permets de lire un extrait euh, de, de justement La liberté n'est pas une marque de yaourt. Euh, dans son discours sur la servitude volontaire, Étienne de la Boétie parle des animaux sauvages qu'on essaie de mettre en cage. Ils résistent à mort. Euh, les hommes, eux, quand on les met en cage, finissent par lécher la main du maître. Il dit plus loin Nous en sommes là, la neuvième et la dixième génération depuis la conquête de 1760. La liberté est devenue pour nous une marque de yogourt ou une marque de jeans. La révolte, une marque de chemise. La résistance, un composé de système électrique. Les, la révolution, une nouvelle façon de couper son gazon ou d'ouvrir sa porte de garage. Des sous-bosses bilingues et biculturelles ont réduit la lutte de libération nationale à une lutte constitutionnelle. Des petits avocats de province à l'esprit ratatiné ont transformé une lutte pour la liberté en article juridique sur un torchon appelé Constitution. Tout ce que le Québec contient comme vendu et comme crosseur nous a présenté l'inclusion des deux mots société distincte sur un bout de papier comme une immense victoire. Deux mots insignifiants. Trente ans de lutte pour deux mots pas un peuple, pas une nation, même pas une tribu, même pas une gang, même pas une bande, une société distincte. Non, mais... C'est un, un très bel extrait qui est très intéressant. Ça a l'air d'une obsession. Je reviens sur la question du langage. Ouais, ouais. Mais le sens des mots, le poids des mots, ça. la portée des mots, c'est... Euh, on voit là, c'est un bon condensé de tout ça, ça. ça. Et... Euh, quand il a travaillé à 15 février, Gaston Miron s'est retrouvé avec lui euh, à un moment donné comme consultant sur le scénario. Et, et Miron lui reprochait le fait que le langage de Delorimier n'était pas assez chantier dans, dans le film. Il disait, Delorimier c'est un notaire, vrai, ouais. donc il ne devrait pas parler comme les autres. Et, et, et ça, Pierre Falardeau le refusait. Et, et, et là-dessus, il se donnait en, propre ex, en, en exemple. Il disait Prends-moi, je suis un intellectuel. Bon, j'ai une maîtrise en anthropologie. J'ai lu, euh, lu Franz Fanon, j'ai lu euh, Albert Mémy, j'ai lu euh, euh, Pasolini. Euh, mm -hmm. Alors donc, mais, euh, et, et, et ça, ne pas, euh, ne, ne pas sacrifier le langage et ne pas avoir deux. Langage. On dit souvent parler des deux côtés de la bouche. Ouais, là, ouais. a... et, et ça, euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas chez, chez Pierre Falardeau. C'est toujours le même discours et c'est toujours le, le, le même langage. Oui, mais en tout cas, moi, moi La liberté n'est pas une marque de yoga. C'est vrai que ça fait sourire la première fois qu'on lit ça, mais je vous avoue que moi, j'y pense souvent. C'est-à-dire le, le sens dévoyé des mots, mm -hmm. notamment dans la publicité. Hein? La publicité qui reprend des concepts euh, au goût du jour pour nous vendre. De... Et lui, il disait souvent qu'il avait refusé de, justement de faire de la publicité, ce qui peut être un petit revenu d'appoint intéressant pour, euh, pour des gens qui vont le faire des films. Oui, un gros revenu d'appoint. Un gros revenu d'appoint, j'imagine. Mais, euh, mais, mais donc, c'est ça, ce, ce côté, ce, cette façon de dévoyer le sens des mots, euh, c'est très intéressant. Il, il nous a quittés euh, trop, trop tôt. Qu'est-ce qu qui s'est passé dans les dernières années? Euh, pour, pourquoi 62 ans ben, Donc euh, un cancer qui va euh, donc suivre son cours, euh, ça c'est c'est la fatalité qui euh, malheureusement attend plusieurs d'entre nous ici euh, aujourd'hui. On espère mmh. juste que ce sera le plus tard possible. <laughs> oui. Et euh, il a euh, par contre il est demeuré, je dirais, actif jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mmh. Publier un, un je ne m'abuse, son dernier texte en juin, alors qu'il va décéder en septembre, et un dernier texte où le ton est toujours. Un dernier texte qui s'intitule Vengeance. Bon. Et, et là, euh, grosso modo, il dit euh, euh, Quand j'étais cinéaste, Denis Côté était critique à ici, maintenant, Denis Côté est cinéaste, moi, je, je suis critique à ici. Alors, je vais me venger. <laughs> euh, et là, il va euh, taper à bras raccourcis, euh, pas seulement, et c'est là, il, il va taper sur un Carcasse de Denis Côté, mais il élargit, c'est-à-dire que ce qu'il va reprocher souvent, c'est par exemple une sorte d'impérialisme culturel ou d'asservissement culturel, où il va dire. Les cahiers du cinéma ont, vous ont dit que Denis Côté est un grand cinéaste, donc mm. euh, vous le croyez. Je ne suis pas en train, moi, de donner mon avis sur, sur le ouais. travail de Denis Côté, ça, c'est mm. une autre affaire. Mm. Mais euh, il, mm. il va aller dans ce sens-là. Et euh, Pierre Falardeau était cinéaste. Est-ce mm. qu'il était cinéphile Pas au sens de la cinéphilie classique. Mm. Dans plein de ses textes, des lettres qu'il écrit à un de ses amis hollandais, que Jean-François Nadeau a traduite. Euh, mm. euh, il parle de films américains euh, qui sont parfois là assez bon niveau, qu'il qualifie de niaiserie. Bon, mm. euh, il fait un texte euh, assez euh, très virulent euh, lorsque euh, sort Ran d'Akira Kurosawa, mm. parce qu'il dit euh, c'est euh, toute la critique dit que c'est euh, un chef-d'oeuvre. Bon, c'est un film qui n'aime rien. Il n'aime pas le formalisme. Il n'aime pas le formalisme. Faut il faut qu'il y ait un message. Ouais. Euh, il... Alors, les, les, mm. les cinéastes qu'il qu aime, il va défendre Santiago Alvarez, mm. qui est le cinéaste qui va l'influencer le plus quand ils vont réaliser Speak White, mm. Julien Poulin Et lui, c'est vraiment l'influence du Cubain Alvarez. Bon, des, des je, gens dois, comme ça. Je, je dois vous arrêter, Marcel Jean. Il nous reste uniquement une minute et, mm. et demie. Est-ce que Pierre Falardeau a des successeurs Au moment où on tourne cet entretien, on n'en a que pour Denis Villeneuve, qui est un très grand cinéaste au niveau esthétique, indéniablement, mais cette espèce de cinéasme engagé, est-ce que vous pensez qu'il a des successeurs Des successeurs, non. Euh, euh, C'est-à-dire, euh, dans, dans cet esprit-là, non. Des, des parents, des cinéastes qui sont pas si loin euh, dans... pas, pas nécessairement pas, pas parce qu'ils disent les mêmes choses, mais parce que... Euh, euh, je pense que Bernard Haimont, par oui. exemple, c'est très différent, oui. mais euh, un autre anthropologue, là, dans ce cas-là, euh, et euh, qui euh, a lui aussi tendance à taper sur le même clou. Ce n'est pas le même clou que, que celui de Pierre Falardeau, il a son propre clou et son <laughs> propre marteau. Mais euh, Bernard, on dit souvent, c'est une phrase que j'aime bien, moi, les. Les bons cinéastes, ont, les mauvais cinéastes n'ont pas d'idées. Les bons cinéastes ont beaucoup d'idées. Les grands cinéastes n'ont qu'une idée. Alors, <laughs> donc, euh, c'est assez intéressant comme, euh, comme pensée. Bon, il euh, y, a, y a quelque chose chez Robert Morin qui n'est mm. pas si loin de l'esprit mm. de Pierre mm. Falardeau non mm. plus. Mm. Tu sais, je dirais, c'est des cousins, c'est des gens qui ont, euh, mm -hmm. euh, qui ont quelque chose euh, de lui. Bon, je pense à un, un film euh, comme Yes Sir, Madame. <coughs> C'est le rapport à la vidéo mm -hmm. qu'on retrouve chez, chez Pierre, mais aussi bon, toute cette question de travailler la, la, la dualité lingu, linguistique, le langage et tout. Euh, bref, euh, de successeur, je pourrais pas dire. Euh, on va laisser les gens s'auto-déclarer, successeur de Pierre Falardeau, mm -hmm. s'ils si osent. J'y répète. Marcel-Jean, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci.